Salut les taureaux! J'espère que vous allez bien en ce dimanche début matin. Taureau, t'as l'air d'avoir de l'action qui se passe dans ta vie. On va y aller direct. J'ai l'impression que tu as eu un choix à faire. Ça inclut les départements de faire de l'argent. Il y a une personne qui avait plus de sagesse, un peu qui faisait partie de ça, s'est retirée. S'est retirée dans le sens que l'autre, tu avais un choix à faire, puis. Disons que le choix probablement engageait des personnes aussi, ou que tu as pris du temps par toi-même, tu t'es éloigné pour réfléchir à la question. Mais j'ai pas l'impression que tu as fait le bon choix, ou que tu as sacrifié quelqu'un qui t'a apporté beaucoup de support dans ta vie. Ça peut être une présence féminine, très jolie personne. En tout cas, cette personne-là, présentement, t'as comme fucké toute la machine. Pas fucké que la machine, là, mais c'est peut-être l'autre personne qui a fucké la machine aussi. Mais j'ai l'impression que tes deux choix, ça. Toi, tu voyais juste ça comme. Tes options étaient définies par l'argent qui était attaché aux options, je pense. Mais en focusant là-dessus, tu as oublié une autre partie qui était peut-être un partenaire, une personne qui était avec toi là-dedans ou une personne qui. T'encourageait ou qui te supportait ou peu importe, puis ou c'était peut-être ton énergie aussi, tu sais, tu t'attendais à être dans l'énergie de la reine de fortune, et puis c'est pas arrivé. Et puis en amour, ça a pas marché non plus. Puis j'avais l'impression que tu avais des attentes. Puis là, ben, le jour du jugement est arrivé. C'est que là, le karma, il cogne à ta porte. Puis la personne que t'as, ou la personne qui s'est fait avoir dans cette histoire-là, ou la personne qui souffre, parce que tout de suite après le jugement, il y a le 9 de coupe qui célèbre. Puis juste après, on a le 3 d'épée qui est cœur brisé, big time. C'est comme une des pires cartes côté amour puis relation. Je vais vous la montrer maintenant. Boom. J'ai l'impression que tu reliais sur cette personne-là la reine de coin, la reine de fortune qui est à l'envers. Peut-être que tu t'attendais à partir en aventure avec cette personne-là ou... anyway, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Puis parce qu'il y a un move qui s'est fait quelque part qui n'était pas supposé de se faire puis qui n'a pas été fait avec une bonne intention, puis ça l'a fait. Que là, le karma, il spin tout de bord. L'argent arrête de ton abondance ou l'abondance de cette personne-là va arrêter de rentrer au poste. Ses relations vont aller chez Liam. Puis t'auras même pas besoin de te casser la tête, là, ça va arriver. Ou bien que ça va t'arriver à toi, je veux dire, ça c'est renversé. T'auras même pas le choix, c'est karmique, ça va arriver comme ça. C'est fait de même. Mais tu vois, il y a une des deux personnes là-dedans qui devient la reine de coupe. Puis que la reine de coupe, elle regarde le magicien à l'envers. Que, dans ce contexte-là, je le vois comme le crosseur. Le crosseur n'a plus son pouvoir parce qu'il est dans la même ligne que l'autre reine. Puis la reine, elle comprend aussi que pourquoi qu'elle se fait avoir, c'est parce qu'elle est trop généreuse. Ou que ses besoins sont pas assez élevés. Ou que. Parce que le trickster, il a. Tu sais, le crosseur, il a offert des affaires bien simples. Ça a pas été dur de. Ça a pas été dur de faire un choix, mais c'était tous des trucs que tu pouvais avoir de toute façon. J'ai l'impression que tu vois clair à la situation maintenant. Puis que tu es prête à partir sur une nouvelle aventure. Laisser. Toute cette mauvaise énergie derrière toi.
Et voilà, mon ami le taureau, j'espère que tu vas trouver la paix, que tu vas trouver une solution à tes problèmes, ou bien si c'est toi le problème, ben coudonc. Je te conseille de t'aligner les flûtes, puis de régler le problème. Je te remercie, taureau. J'espère que tu passes une belle semaine, et puis on se parle au prochain tirage. Bye!